What's up, people? Comment ça se passe? Comment ça va? Aujourd'hui, c'est Influence TV, ça se passe. On va dire à ton ami, si ton ami n'est pas connecté, dis-lui là, de se connecter. C'est là, là, ça se passe live. Dis à tes petits frères et sœurs, si t'es tout seul, ben dis-le à personne ou à place toi. Ça se passe là. C'est Influence TV, mesdames et messieurs. C'est Kirk et Thierry. Bien sûr. Partage le lien avec tout le monde. Tu sais qu'on peut poser ça sur Snapchat, Instagram, Facebook, partager ça partout. Exact. Parce qu'on veut que ça se passe ce soir. MC Canada, Influence TV, ça se passe. Ouais. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, c'est une édition spéciale Halloween. Spéciale. Avec une petite thématique bonbon citrouille. Vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient, ça va être super génial. Mais vous savez, Thierry, il y a trois règlements importants qu'il faut toujours se rappeler malgré tout. Thierry, je te laisse expliquer ça. Trois règles simples, les amis. Tu ne peux pas partager des informations privées. Donc, pas de carte de crédit. Je sais que tu as moins de 18 ans, tu n'as pas de carte de crédit. Donc, oublie ça. Si tu as moins de 13 ans, tu dois dire à tes parents que tu regardes Influence TV, que ça se passe. Tu peux même leur demander de regarder avec toi. Dis, maman, papa, viens regarder avec moi Influence TV, ça se passe. C'est tellement bon, c'est pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est juste pour les prévêtres, c'est pas. OK. Puis, la troisième des choses, c'est quoi, Kirky? C'est quoi la troisième des choses? La troisième chose, c'est que tu restes poli dans les commentaires. Exact. C'est pas le temps de faire le bully sur YouTube, pas le temps d'insulter quelqu'un. Fais ça jamais d'ailleurs. Exact. Mais on reste respectueux, on fait juste encourager. Encouragez-nous, mais Thierry, vous êtes extraordinaire. Vive et comment? Allez, donc, si tu commences à tirer sans plus tarder, je pense qu'on va aller, on va se lancer dans notre premier segment. Premier. Qui est les combos douteux. Okay.
J'ai compassion pour Emmanuel. Emmanuel, t'es un courageux. Je tiens à vous rassurer à la maison, il va bien. Il va très bien. Il va bien, on l'a vu passer, il est correct. Priez seulement pour Emmanuel. Garde-le en prière, garde-le en prière. Tu sais, je pense que ça, ça nous donne un petit enseignement pour les bonbons, n'est-ce pas? Ouais, je pense que hein, je mangerai pas autant de bonbons. Faites pas ça à la maison, surtout pas, hein? Non, ne dirais pas à nos parents, c'est eux qui disent qu'ils nous encouragent à faire ça. Non, pas nous qui nous encourageons à faire ça. Donc, si vous plus tarder, on va passer à notre prochain segment. On vous laisse avec Mitch pour la boîte mystère.
C'est pas mal, pas mal, pas mal, mais j'ai félicitations. Quand même 2 sur 3, c'est pas si mal. Hey. 10%, c'est très une bonne statistique quand même. Tu passes, tu passes. C'était moins pire, honnêtement, j'ai vu Véro, je sais pas si vous avez rappelé Véro, elle avait vraiment peur, mais c'était quand même assez courageux. C'est sûr, je pense que j'aurais devenu. Toi, j'aurais devenu. Non, je pense pas. Là maintenant, mesdames et messieurs, préparez-vous. Ce qui arrive, c'est incroyable. On vous laisse pour le moment l'essentiel avec Stéphane et David. Bien sûr. 3, 2, 1. Hey! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'émission de cuisine avec David et Stéphane. Non, c'est pas vrai. On va laisser ça à Ricardo. Yes. Donc, aujourd'hui, on a eu le défi. Ouais, de reproduire cette citrouille. C'est Mike Wazowski, le personnage dans Pixar. Monster Inc. Monster Inc. Fait qu'on va essayer de faire ça. En même temps qu'on va faire ça, on va prendre le temps de parler un peu. Yes. On va prendre le temps de parler un peu de ce sujet controversé qui est. L'Halloween. L'Halloween, sujet un petit peu tabou. Ouais. Nous, on n'a pas peur de parler des sujets tabous. No. Good. Fait qu'on tente ça. Fait que. Ok, on va est-ce voir, que tu as de l'expérience, toi, les citrouilles? Fait que quand j'avais peut-être 6 ans, j'ai fait le genre d'affaires de citrouilles en classe, je crois. C'est la dernière fois. Yeah. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu des bons résultats, mais c'était dans ma mère qui le faisait. Fait que, on va avoir du fun. Let's go. Ok. Puis, en même temps, on va prendre le temps de jaser. Yeah. Fait que toi, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? You know, c'est. Ok! Ok, fait qu'on le coupe comme ça? En fait, je pense qu'il faut faire un. Ok, je te laisse, Ça va bien aller? Ah, si jamais... Hi! Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Oui, on veut parler un petit peu de l'Halloween, non, Dave? Oui, fait beaucoup de questions, je crois, concernant l'Halloween. Évidemment, en tant que chrétien, on célèbre rien que Jésus, seulement Jésus. Et Jésus pour toute la vie. I love it. Alors, you know, je pense que le 31 octobre, souvent, les gens sont comme, ben là, on... C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, en gros, sois toi-même et célèbre Jésus en tout moment. Alors, on commence là. I love it! Mais en gros, c'est vraiment un événement communautaire où les gens s'habillent, puis... Non, mais j'aime ce que tu dis dans le fond que... C'est ça, nous, on célèbre Jésus. Yes. Okay? Puis c'est même au Canada, là, c'est un événement communautaire. Ouais. C'est pas une religion. Exact. Je vois Victor qui se cache derrière la caméra, il a peur que je gifle. J'ai presque fini d'enlever le crâne. Et là... Ça marche-tu? Ouais! Beautiful! Bon. Merci Stéphane. Bien sûr. Ça, c'était le plus difficile. Ça, faut le garder, hein? Mais on enlève ça. Fait que, qu'est-ce qu'on a? On apprend en même temps, il y a des outils, puis on découvre. En fait, c'est que si c'est comme un poivron, you know, faut couper les affaires un peu comme ça. Parce que quand tu coupes un poivron, tu n'utilises pas une cuillère pour enlever ce qui est au milieu, non? C'est ça! Fait que moi, j'y vais avec du logical sense. Fort, très fort. Mais ça se peut que j'ai besoin de cuillère. Fait que, qu'est-ce qu'on dit à Stéphane? C'est que, évidemment, on est ici pour vous dire que si vos parents vous disent de ne pas vous déguiser ou quoi que ce soit, évidemment, il faut obéir les parents. Absolument. Puis si eux, ils veulent pas que vous vous déguisez ou que ça leur dérange pas, faites la vaisselle! Non! Fait que écoutez vos parents. Si vos parents, ils veulent, puis vous, ça vous tente pas, ben faites-le pas. Genre, c'est votre choix personnel. Exactement. De dire est-ce que je veux me déguiser, est-ce que je veux pas me déguiser, tout dépendant de ce que vos parents vous disent. Ok, je le tiens. Merci. Très fort, j'aime ton idée. Et pourquoi pas vous habiller en tant que, you know, peut-être Moïse? Yo! Ça peut être un gros vibe, ça! Ça peut être un gros vibe! Ça peut être comme... Tu sais, faites ça thématique, là! Ou la brebis qui était perdue, non? Juste la brebis qui était comme... Juste celle-là! N'importe quoi! Soyez créatifs! Dans tout ça, amusez-vous! Bon, okay, je pense que vous avez fait le tour, on peut vous mettre en deux. On peut vous montrer à l'intérieur. Je pense que c'est assez, tu sais, c'est pas parfait, mais comme... C'est pas truqué. On fait du mieux. On fait du mieux qu'on peut. Tu vois la photo? Là, on pourrait dessiner, genre. Là, c'est pas vrai. Fait que okay. Moi, je crois. Moi. Je pense que David, il a plus de talent de crayon. Okay? On va voir. Pendant qu'il est en train de colorier pour qu'on sache où découper, en tant que chrétien, on est libre. Okay? Puis, ce que je veux qu'on vous amène à propos de l'Halloween, c'est que si vous, ça vous dérange pas, ça, vous êtes correct avec ça, vous déguisez avec vos amis, puis que naturellement, comme on a dit, vos parents sont en accord avec ça, puis ça vous tente, ben vous êtes libre de faire ça, OK?
Vous n'avez pas à avoir peur ou vous sentir condamné ou peu importe. Non, OK? Comme on a dit, c'est une à l'origine, c'est une fête qui est païenne. Mais en ce moment, c'est plus c'est un événement qui est communautaire. Mais hier, vous êtes vraiment libre, puis vous n'avez pas de condamnation à recevoir de personne, puis tout. Exact. Puis vous n'avez pas à vivre non plus dans la peur de cette date-là, ou peu importe, à cause de... Parce que la réalité, c'est qu'il y en a plein qui sont nés le 31 octobre, puis ça serait plate de dire, you know, je peux pas fêter ma fête parce que ça tombe l'Halloween. Non! Non! Do your birthday, bro! C'est vrai, ça! On est tous libres à cause de Jésus-Christ, puis on est tous bénis à cause que Dieu est dans nos vies. Il n'y a pas aucune... Peu importe, si des gens auraient dit quelque chose sur toi ou t'auraient dit quelque chose à propos du 31, puis là, tu vis dans cette conception. Non, je brise tout ça, OK? Comme David, on l'a dit au début, la seule personne qu'on célèbre, c'est Christ. OK? Yeah. Cet événement-là, OK? Pourquoi pas, OK? Représenter la lumière du monde. Je pense qu'on est libre de prendre la décision qu'on veut. Puis toi, si t'es à l'aise de juste te déguiser avec tes amis puis que d'aller chercher des bonbons, puis toi, ça te dérange pas. All right, fine. Si ton frère à côté de toi, ton frère chrétien, que lui, il aime mieux pas, il veut pas faire ça, fine, do it. Fait, don't do it. Nike, do it. Do, don't do. You know what I mean? Fait que, non, c'est ça. Mais il y a aussi quelque chose qu'on veut clarifier, c'est à propos de les gens qui peut-être qui décident de ne pas passer se déguiser. Peu importe. C'est pas parce que t'es chrétien que tu le fais pas. Right, David? Right! Parce que des fois, il y a cette excuse-là qui va sortir. Que là, tu vas dire, c'est parce qu'on est chrétien qu'on fait pas ça. En passant, hein? Excuse-moi, bro. Vas-y, t'as un couteau. Exactement. C'est ce que tu veux. Si tu vas couper une citrouille, fais-la avec tes parents. On veut pas voir, you know, une citrouille pleine de sang. Les deux, on est majeurs. Puis on aurait besoin de nos parents qui soient là. Exactement. Fait que... You got it. You know it. Mais tu disais quelque chose. Aidez-moi dans les commentaires. Je disais comme quoi, c'est pas parce que t'es chrétien que tu fais pas ça. Parce que la vie chrétienne est différente de la vie pas chrétienne, right? Puis souvent, cette excuse-là va sortir pour plein d'affaires. Puis moi, j'étais chrétien toute ma vie, je serai chrétien toute ma vie, et j'ai pas vécu dans plein de limitations. Au contraire, je suis libre de toute chose. Puis j'ai aucune... j'ai pas une vie qui est limitée parce que je suis chrétien. C'est une erreur de dire que moi je fais pas ça parce que je suis chrétien. Moi je fais pas ça parce que Dieu veut pas. Non. Toi tu le fais pas parce que tu décides de pas faire ça. Toi tu fais ça parce que tu ça te dérange pas, oui. Comme que tu pratiques pas cette fête païenne là ou whatever ou cet événement communautaire parce que t'es chrétien. Non. Okay. C'est un choix personnel. Il faut respecter le choix personnel de chacun. Je ne l'aurais pas dit d'une meilleure façon. Ouais? Bravo, Stéphane. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Je vais continuer. Ok. Je vois un peu le. Mais là, c'est ça. Si on l'enlève, si on le laisse là. Exact. C'est ça le challenge. Fait que David, tu peux continuer avec ce que tu as envie de dire sur. Ouais, dans le fond, c'est parce que des fois, you know, en tant que chrétien, on se casse un peu trop la tête. Et si on commence à penser à tout, peut-être, tu peux dire, mais c'est les origines de ça, les origines de. Mais, you know, est-ce que les origines de la Saint-Valentin empêcheraient qu'on dise « je t'aime » You know, des fois, on peut pousser les affaires un peu trop, mais, comme Stéphane disait, on est libre. Mais tant si longtemps, évidemment, qu'à la maison, tout le monde soit d'accord. Mais sachez que, en tant que chrétien, you know, le Seigneur t'a fait libre de prendre tes propres décisions, tant si longtemps que tu le fais, évidemment, avec le Saint-Esprit. Puis ça, c'est avec n'importe quoi. On parle pas juste de... du 31 octobre, on parle dans la vie en général, tu as besoin du Seigneur pour te guider et tu as besoin de son approbation pour qu'est-ce que tu fais dans la vie. Hey! C'est pas trop beau, là. Mais on s'en va quelque part, là, il manque... Attends, et où la photo? Je sais pas, on l'a fait... Mais... Si on s'est fait confisquer notre photo. Ah, ok, faut couper ça ici. Ça, on l'enlève? Je pense que oui. Non? Ouais, check, faut faire un petit trou, là. Yeah, fait que dites dans les commentaires si jamais, you know, vous avez déjà votre déguisement. Stéphane, as-tu déjà ton déguisement? Non, pas dans les dernières années. Peut-être qu'on va pouvoir partager ces photos-là, peut-être. Avec mon époux, qui n'était pas mon époux, parce qu'on sortait ensemble, on faisait des déguisements thématiques. OK? OK. Et on était quand même populaire avec nos amis. Là. Les gens attendaient, étaient dans l'impatience de voir qu'est-ce qui va être notre costume thématique cette année. Puis je pense que notre plus populaire, ça a été Marie-Lou s'est déguisée en raton laveur. Oh! Moi, je me suis déguisé en poubelle. Parce que tu sais, c'est comme un bon match, you know. Puis, est-ce que t'es allé vraiment dans le concept, puis comme, est-ce que tu puais comme une poubelle? J'ai pas poussé l'idée jusque-là. Ok. Mais ça aurait pu être bon. Ça aurait pu être bon. Et est-ce que tu te rappelles des années antérieures? Oui, il y a eu aussi Marie-Lou en Bambi.
puis moi, je suis un chasseur. Oh! T'sais. Alors, c'est un... Chevreuil! Exact. C'est-tu moi ou c'est de pire en pire? Non, non, ça va quelque part. On va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pas de pire en pire. Moi, j'ai une question. J'ai besoin d'idées parce qu'on a un bébé. Ouh. Elle va avoir 11 mois environ. Puis on a besoin d'idées, you know? Avec un petit bébé, qu'est-ce qu'on passe? Faut que ça soit concept. Faut avoir le petit bébé. Oh! En parlant de Monster Inc. Boo! Moi, je dis qu'on habille Raquel en boo. Oh. Véro va être quoi? Puis moi, je vais être l'autre bête poilu, là. Yeah, c'est bon, ça. All right. Sally. Sally? Ah, si vous aimez ça, like. Ça va tomber. Oh! Mais attends, on peut trouver une façon. C'est correct. Je vais travailler sur ça si tu veux faire la bouche. Et aussi, Dave, il y a d'autres choses qui me tombent en tête aussi. Là, que c'est comme, c'est même, fou. Là, ça monte à l'esprit. Wow. Mais oui, fait que... Ouais, mais c'est ça, c'est que aussi, là, ce qui peut arriver, comme j'ai dit, on est à la lumière du monde, on est appelé à être libre. Faut montrer l'exemple. On est à la lumière du monde, fait qu'il faut pas être pogné. Faut pas être pogné. Faut pas être pogné. Surtout, faut pas avoir peur. Ouais. Peur de quoi? Des citrouilles avec des chandelles dedans? Peur de quoi? Du maquillage? Non! Faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de ça pis tout. On est appelé à être la lumière du monde. On est appelé à vivre dans la joie. La joie de l'éternel est ma force. Puis ça veut dire que faut pas commencer à vivre genre... Pis essayer de s'éloigner des autres pis tout. Parce que non. Même si c'est pas quelque chose que toi tu veux faire, faut pas que t'aies peur des gens qui le font. Faut pas que tu commences à... Ah, je vais pas me tenir avec eux parce qu'eux se déguisent. Non! Exact. Tu sois la lumière du monde pis tu montres comme quoi... Hey, on va avoir du fun. You know, vous avez entendu plein d'affaires, puis des fois c'est culturel aussi. Je suis moitié mexicain, moitié guatémaltèque, né à Montréal. You know, peu importe d'où vous venez, des fois culturellement, dans vos pays ou les pays de vos parents, les choses sont vraiment différentes, puis tu sais, peut-être l'Halloween, ça se fait juste pas, puis ça fait pas partie de la culture. Mais au Canada, comme on a dit au début, c'est... Exactement, c'est vraiment genre un événement culturel, puis vos parents pensent que peut-être c'est comme des affaires de superstition ou... Je vous dirais de leur en parler, honnêtement, et de leur expliquer aussi que... Qu'est-ce que t'as fait? You know, c'est son petit chapeau, je voulais que ça rentre mieux, là. You know, juste leur dire que, évidemment, si vous allez vous déguiser, ou si vous voulez vous déguiser, c'est pas parce que vous voulez participer à quoi que ce soit du type religieux au niveau d'Halloween, c'est juste parce que vous voulez vous amuser, et dites-leur que vous voulez être la lumière du monde. Yeah. Et que vous voulez donner l'exemple en tant que chrétien, comme quoi on est libre et il y a rien qui nous affecte. Exact. You know what I mean? Yeah. Jelly bean? Hey! Oh! C'est sûr qu'il est pas très solide, mais quand même, regarde. Mais... On a quelque chose, ça. Fait que Stéphane a fait une citrouille sans les dents. Tu vois, il fallait faire des dents? Ben, je pense, non? Ben yo, t'aurais pas colorié des dents, là, ma barre, là. Ben, j'avais juste fait le... You know, des fois quand on travaille à deux, c'est ça que ça donne. Ça donne un peu de choses qui... You know. Mais... C'est... Hey, quand même, là! Mais il manque les oreilles, c'est quand la fin de fait ça, t'avais 6 ans? Ouais, j'avais 6 ans. Bon, on va donner un break. On a-tu des restants? On a plein de restants. Oh, tiens. Yeah, yeah, yeah! Yes. Quoi, Victor, il rit. Il nous trouve drôle. D'ailleurs, un grand merci pour cet épisode. On a eu la chance d'avoir une équipe technique qui est venue nous aider à la place de moi et mon téléphone cellulaire. Victor est des nôtres aujourd'hui. Woohoo! Merci beaucoup, Victor. Puis aussi, Didi est là pour venir nous aider. Fait que, merci beaucoup. Merci, alors. J'ai bien dit ton nom. Il vient de ton nom, ouais? Il merci. Oui, il dit oui. Look at this. On est appelé à être la lumière du monde. Ça signifie parfois de se réapproprier la culture. De la ramener à la lumière. C'est de, ah, le monde a décidé de changer une tradition, de créer quelque chose, ben moi, je vais rendre ça pour la gloire de Dieu. Fait que, on est appelé à redéfinir des événements culturels comme ça. À les redéfinir pour les ramener à la gloire de Dieu, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Exactement. Can I get an amen for that? Et puis, yeah. Dans les commentaires. I love it. L'autre chose aussi, c'est que Dieu a créé toutes choses pures. Oh, yeah. Les bonbons, c'est bon. Pas ceux qu'Emmanuel vient de manger, là. Fait que si tu veux manger des bonbons, mange des bonbons. Et pas ça les dents après, t'exagères pas. Mais tu peux exagérer une fois par année. C'est le temps, là, si tu veux manger des bonbons. Wow! Bon, c'est fort! Pourquoi t'as fait un souper comme si t'es pas fier? Parce qu'on dirait un cochon? Mais en fait... on dirait littéralement... Un cochon. Un petit cochon! Alors? Fait que, on a fait ça. Quand même, je tiens à mettre l'applaudissement à nous. Puis, en conclusion,
Yeah. Qui on célèbre? Jésus. En tout temps. Yeah. L'Halloween, c'est un événement communautaire. Ouais. That's it. That's it. Yeah. C'est à toi de décider. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux intégrer dans ta vie ou que tu veux faire et que ça te met pas mal à l'aise? OK, fine. C'est quelque chose que t'aimes mieux pas faire? Fine. Mais en tout temps, dis pas que c'est parce que t'es chrétien que tu fais ça ou c'est chrétien que tu fais pas ça. Exact. Pas rapport. Yep. La participation à se déguiser à Halloween n'a pas rapport avec le fait si tu crois ou non en Dieu. Okay? Et vous êtes la lumière du monde. Yes. Soyez la lumière du monde. Exactement. Tous les jours de l'année. Partout et, où vous allez. Et glorifiez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Exactement. On vous aime et obéissez vos parents également. Oui, ça c'est sûr. Comme on a dit, oui, peut-être que vous êtes très à l'aise, mais vos parents sont pas à l'aise. C'est vos parents, qui ont, le dernier mot. Mais pourquoi pas profiter pour en parler? Non, mais si vous avez des questions, peu importe, honnêtement, si vos parents ils veulent en savoir plus, yes. Ils veulent juste faire comprendre leur point, parce qu'ils m'écrivent sur Facebook ou sur Instagram. Envoyer des messages. C'est sûr que moi, les gens qui me suivent pas, je réponds pas. Non, c'est pas vrai. Mais s'ils ont plus de questions ou peu importe, vous en parler, j'ai pas de problème à parler de ça. Bonne semaine, guys. We love you. Love you. Puis come on! Hein? Imaginez un petit peu avec Dites pas que c'est un cochon, s'il te plaît. C'est Mike. There you go. OK. Ciao, guys. Salut, bon week-end. Wow! Merci David et Stéphane, très apprécié, beaucoup aimé le petit partage d'enseignement par rapport à comment on doit voir Halloween, etc. N'ayez pas peur, comme il a dit, on prend ça relax, aussi relax que David et Stéphane ont essayé de faire la citrouille. Bravo les garçons, vous êtes bien aidés, c'est vraiment une bonne chose. Et on tient à dire merci à la grande famille Influence TV, vous êtes fidèles au poste, c'est toujours incroyable. Donc n'oubliez pas de toujours partager, aimer, liker. Mais pour les filles, on a une bonne nouvelle pour vous. Vendredi prochain, c'est la convention des femmes. Le titre, c'est L'art d'appartenir. Préparez-moi, L'art d'appartenir. Encore une fois, L'art d'appartenir. Ça se passe. Mais pour les gars, malheureusement, on n'aura pas Influence TV. Mais dimanche, on t'attend. Il y a un message spécial pour toi. Dimanche, on se rejoint. Dimanche, on écoute ce que le pasteur a communiqué. Ça va être incroyable. Et tu sais, qu'est-ce que je pense que ce serait même une très bonne opportunité pour les garçons de justement se connecter avec leur groupe Connect. Exactement. Donc, en parlant de ça, on vous encourage, si vous n'avez pas ce qu'on appelle un groupe Connect. C'est vraiment fait. C'est un groupe de jeunes. Maintenant, on le fait de manière digitale parce qu'on le fait justement tous se réunir ensemble. C'est un groupe de jeunes que nous, on passe du temps, on partage la parole de Dieu, on passe du bon temps, on partage nos expériences de la vie, etc. C'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Donc, si vous n'avez pas de Connect, vous pouvez m'aller aussi sur le site de l'église. Et oubliez pas, là, on a un TikTok. Dis avec moi, TikTok. TikTok, 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 TikTok. Sur le nom du TikTok, c'est quoi des filles, là? C'est Influence 13-17. Hey, that's it. C'est très bien. Non, guys, on vous aime. Exactement. On se voit dans deux semaines. May God bless you all. Peace out. Peace out.